Pour Jean-Baptiste, ce n'est pas encore les vacances. Ce lycéen de terminale ES est au rattrapage. Pour pouvoir être repêché, il fallait avoir une moyenne générale de 8 sur 20 au moins. Avec une moyenne de 9,5 et 34 points de retard, Jean-Baptiste est confiant. Je me lève vers 9h et je révise. Après, comme il ne reste plus que deux matchs à réviser, je coupe la journée en deux et le matin je révise l'éco et l'après-midi les maths. Parce qu'il ne me reste plus beaucoup à rattraper. Je pense que je vais avoir. Cette année, ils étaient 2746 candidats au bac, 2167 ont été reçus directement et 380 élèves, comme Jean-Baptiste, auront droit à une seconde chance. Pour mieux aider ces élèves avant l'ultime épreuve, ce professeur de mathématiques a rédigé une liste de conseils pertinents. Alors, bien choisir la matière à repasser, réviser l'essentiel et soyez synthétique, entraînez-vous à l'oral et soyez motivé et optimiste. C'est un oral de bac, mais c'est aussi un entretien. Ça fait partie des compétences actuelles pour entrer dans les études supérieures et ensuite dans la vie en société. Donc il faut le voir comme ça, il faut le voir de manière positive. Rester positif et se détendre avant le début des épreuves de rattrapage dès lundi matin.